Bienvenue tout le monde. L'enquête sur le soi est une façon avec laquelle on prend conscience de ce qui est, comme sont les choses, de façon à voir que la pensée est en fait que la pensée. Et non ce qui prend place ici et maintenant comme réalité infinie, elle-même au-delà de tout ce qu'on peut penser, elle-même la réalité de ce qu'on est, de ce qu'est notre conscience dans son état pur, véritable, elle-même la liberté que l'on cherche, la plénitude, et le sens profond de notre existence. Donc, cette réalité peut être réalisée ici et maintenant, puisque c'est tout ce qui est. Tout le reste ne sont que des angles de perception. Pour la plupart, comme résultat de notre pensée, comme résultat de là où on fixe notre attention, vers certaines pensées, ce qui crée notre expérience en tant que je et en tant que ce qu'on ressent comme tel. Donc, pour connecter avec la réalité comme elle est, tout ce qu'on a besoin, c'est de prendre conscience de la façon avec laquelle on poursuit nos pensées ou simplement conscient de ce qui se passe comme tel, de façon à prendre une distance de la pensée et de se tenir dans la conscience, dans l'éveil de la conscience, à partir de laquelle on voit si telle ou telle pensée est nécessaire ou non. Et de cette façon, transformer notre expérience du moment. Donc, c'est pas mal tout à ce niveau que ça se passe. Pour ce qui est des expériences, les expériences vont toujours venir et aller, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient bonnes, elles vont venir et aller et dépendre de l'observateur, c'est-à-dire de la façon avec laquelle on fixe notre attention sur certaines pensées ou pas. Donc, c'est comme si finalement on vivait dans un monde de réalité parallèle, dans le sens que là où va notre attention, on crée cette expérience pour soi-même. Tandis que si on reconnaît la conscience comme étant au-delà de la pensée et qui se tient comme réalité et absolue, à ce moment-là, on se détache de la pensée, on se détache de l'expérience limitée à un je et on trouve la liberté qu'on cherche dans la conscience. La conscience que nous sommes vraiment, en tout moment, quelles que soient les pensées qui vont et viennent dans notre esprit, quel que soit ce qui prend place dans le monde. Donc, tout ce qui prend place au niveau perceptible prend place à la surface de notre conscience et prend plus ou moins d'importance selon l'attention qu'on accorde aux choses de ce monde ou aux choses de notre esprit, pendant que la conscience, comme telle, se tient indépendamment de tout ce qui prend place dans le champ de notre expérience à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas un moment où nous ne puissions pas
réaliser la conscience, de réaliser que seule la conscience constitue la réalité et que tout ce qui est perceptible, non seulement vient de la conscience, mais retourne à la conscience aussi. Donc, tout ce qui est du champ de nos perceptions se résorbe dans la conscience. Toujours. Ce qui veut dire qu'il est plus important de rester en contact direct avec la conscience plutôt que d'accorder tant d'importance au champ perceptible. En réalité, à partir de la conscience, seulement, on peut voir clair dans le champ perceptible et d'agir en conséquence ou de penser en conséquence. Certes que finalement, on en vient à vivre d'une façon très spontanée, d'une façon à inviter l'inconnu, à avoir confiance en la conscience, elle-même la source du monde, elle-même le but et la fin du monde, elle-même en contrôle du monde, même si on ne peut pas nécessairement y comprendre quoi que ce soit au niveau du mental. Donc, par exemple, avec ce qui se passe dans le monde actuellement, bien qu'il soit difficile de le comprendre, ce qui se passe dans le monde fait partie de quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste qu'on peut comprendre et a sa place dans cette vastitude. Finalement, ça se résume à notre expérience, comme quoi on est responsable de notre expérience en ce monde, responsable de nos sentiments, nos émotions, nos pensées, de façon à réduire la distance entre notre moi et la conscience, de façon à ne plus faire qu'un avec la conscience. La difficulté, c'est que dans la conscience, les questions qu'on se pose au niveau de notre mental ne signifient pas grand-chose. Mais puisque notre mental cherche des réponses, c'est comme s'il devient dépendant de ces réponses, créant par le fait même un sens d'inconfort, selon quoi l'idée de répondre à ces questions est une nécessité, quand ce n'est que de l'imagination. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître ce qui est, comme présence, comme éveil, puisque seul cela qui est conscient de ce qui est demeure, contraire des pensées qui vont et viennent, des sentiments, des émotions qui vont et viennent. À ce moment-là, notre vision sur le monde s'adapte en conséquence. Lorsqu'on se tient dans la conscience, notre perception du monde change de la même façon. Et la conscience, comme telle, nous donne les informations dont on puisse avoir besoin. En fait, finalement, ça se résume au fait de à savoir si notre esprit est en paix ou non. Parce que c'est ça qu'on cherche finalement. On cherche la paix de notre esprit, quoi qu'il puisse se passer, intérieurement ou extérieurement. Donc, la paix de notre esprit est ce qui détermine la vérité de notre expérience, détermine si ce qu'on perçoit vient de notre esprit ou vient de la conscience. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, c'est ça qui est important pour soi-même, trouver la paix intérieure, en premier lieu.
non seulement je crois que c'est ce qui est le plus important, mais c'est ce qui doit prendre place de façon à amener cette paix autour de nous et la propager autour de nous d'une façon réelle, durable, fondamentale, de façon à élever la conscience collective, de façon à rester fort, rester centré et demeurer en paix, une paix absolue qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de notre esprit, nos émotions, nos perceptions et avec ce qui se passe dans le monde. Donc, tout prend place parce que la conscience est, parce que nous sommes la conscience. Tout prend place parce que nous sommes déjà la conscience. Tout doit témoigner de la conscience de façon à prendre place. Donc, l'invitation à travers l'enquête du soi est de reconnaître la conscience comme étant la réalité de ce qui est. Et possiblement de retourner à la conscience à toutes les fois que nous nous prenons dans la pensée. Nous nous prenons dans le champ des perceptions. Nous nous prenons dans les informations qu'on a sur ce qui se passe dans le monde. Parce qu'au moment où on perd contact avec la conscience, on se perd dans les pensées. Par le fait même, on devient susceptible du désordre ou de l'état chaotique du monde, ou même de nos propres personnes. Finalement, on se perd dans quelque chose qui n'existe pas. Donc, l'enquête sur le soi est simplement la réalisation que nous sommes déjà la conscience. De reconnaître la conscience comme étant la base fondamentale sur laquelle on se tient comme identité. De façon à s'écarter de la possibilité de se perdre dans les pensées, se perdre dans les, si on veut, les influences négatives de ce monde, de la confusion, les antagonismes, la noirceur même de ce monde. Mais lorsque, assis dans la conscience, véritablement, par-delà le mental, nécessairement, on en vient à voir que le monde prend place dans la conscience et par conséquent est la conscience. Ce qui répond à toutes les questions qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe dans notre vie ou dans le monde. Il y a des gens qui vont être agacés par du bruit, par des enfants qui vont jouer, etc. Ben, j'en suis arrivé à un point où il n'y a plus rien qui... Enfin, c'est pas que ça me touche, en fait, mais il n'y a plus rien qui s'accroche, en fait. À l'intérieur de moi, il n'y a plus rien qui revient s'accrocher à un bruit, à une expression ou à un mal ou à un bien. Moi, je ne sais pas si je suis devenu complètement inhumain ou je ne sais pas, mais est-ce que c'est vraiment ça quand tu dis... La conscience, en fait, parce que la conscience, c'est impersonnel, quelque part. Voilà, donc, est-ce que j'ai touché ça ou est-ce que c'est une forme, je ne sais pas, est-ce que je suis parti peut-être dans un extrême, peut-être? Non, mais c'est comme ça. C'est au niveau de la conscience, c'est un infini. Oui, c'est ça. Parce que je sens beaucoup de paix, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit, en fait. Il n'y a pas de conflit avec ce qui est dans le monde. Parce que même, on en avait déjà parlé la fois dernière, avec le Covid et tout ça. Mais même cette histoire de Covid, il n'y a pas de...
n'a pas d'impact sur moi, en fait. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Il y a pas mal de choses qui sont dites ici et là qui font que les gens, à un moment donné, ils ont peur et ne savent plus quoi, trop quoi faire avec ces informations. Ben, même ça, j'ai l'impression de survoler le truc, quoi. C'est comme si ça, comme si rien ne se passait réellement, quelque part. Est-ce que c'est le personnage qui s'imagine... Enfin, je dis ça, mais... Non, c'est ça. Même le personnage comme tel, notre moi, ne devient qu'un objet de perception dans la conscience, qui prend place spontanément, qui passe à travers tel ou tel état, ou pas. Même chose avec le monde perceptible. Ça ne devient qu'un jeu de couleurs, finalement. Et c'est comme ça qu'il faut voir ça. Un jeu de couleurs qui ne tient à rien qu'autrement que de se tenir dans la conscience. Comme un film sur un écran blanc. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. Hein, c'est ça en fait. Ouais. En fait, à l'intérieur, en fait, on peut dire dans l'intérieur du corps, en fait, il n'y a plus d'agitation du tout. En fait, c'est un calme, mais voilà, c'est parce qu'en fait, je demandais en fait, quand est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis vraiment, comment je vais dire, est-ce que c'est vraiment devenu inhumain en fait? Je dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, il y a de l'amour hein, en fait, hein, je dirais, mais il y a, comment je vais dire, c'est un détachement en fait complet. Oui, tu pourrais dire ça. Ce qui semble humain est en fait pas humain. C'est la conscience comme telle, l'impersonnel, humain et pas humain à la fois. Tout est rien, finalement. Toute forme est le vide de toute forme à la fois. Puis effectivement, rien ne s'attache à la personne à partir de la conscience. Il y a même pas, je veux dire, cette personne était juste qu'une projection quelque part. Elle n'a de vivant que par, elle n'est vivante que par l'intermédiaire de la croyance quelque part. C'est-à-dire que si la croyance n'est plus, le personnage ne peut plus être non plus. Donc en fait, le personnage repose uniquement que sur la croyance qu'il existe en fait quelque part. D'ailleurs, c'est ce qui est dit, je crois, je crois que c'est les tout derniers mots du livre Le Soi, là, que je suis est absolu. Je pense que c'est ça, je crois que c'est les tout derniers mots. Ça, Ce qui est intéressant avec la conscience, c'est que qu'il y ait quelque chose dans le champ de nos perceptions ou pas, qu'il y ait des émotions ou pas, ou des pensées ou pas, ou qu'il n'y ait que le vide, la conscience demeure éveillée à cela, reconnaît ce qui est. Qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien, comme dans le sommeil profond sans rêve, d'où on se réveille et qu'on sait qu'on a bien dormi, sans rêve, sans expérience. C'est comme si dans la vie quotidienne, on embrasse le monde de la manifestation avec le monde non manifesté et par-delà, en tant que conscience, en tant que le soi, lequel est notre expérience continue, véritable, réelle, quoi qu'il puisse se passer, quoi qu'il puisse ne pas se passer. Qu'il y ait un jeu, non. Que le jeu soit actif, non. La conscience, le soi, demeure. J'aimerais bien mieux
mieux comprendre cette histoire du sommeil profond. Je ne sais pas si vous m'entendez Oui. bien. Ok. J'essaye de parler fort. On le lit, cette référence au sommeil profond, on lit ça toutes les 2 pages dans l'enseignement de Ramana Maharshi. Et je ne sais même pas exactement quelle question poser. Ce que j'aurais envie de dire, c'est, il me semble qu'avant de lire Ramana Maharshi ou avant de vous entendre, on n'aurait jamais eu l'idée de s'intéresser à ça. Ça s'en serait jamais servi comme raison pour expliquer que c'est bien d'être sans pensée, puisque dans le sommeil profond, il n'y en a pas. Et surtout, je crois que on n'aurait jamais aspiré à ça. Ma vie ne se déroule pas, je ne me dis pas, ouf, bientôt la nuit, je vais pouvoir être dans le sommeil profond, ça va vraiment être beaucoup mieux. Je n'ai jamais eu ça et je ne connais pas d'autres êtres humains qui aient fait un tel témoignage. Donc, je suis vraiment ravi, hein, de vous entendre. Je ne sais pas si c'est un argument, parler de ça en tout cas. Si Ramana était encore là, j'aimerais tellement l'interroger. Il l'emploie tout le temps. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? En fait, il serait intéressant de parler des différents états, en quelque sorte décrits dans le Védantisme et dans les enseignements de Ramana. L'état qu'on expérimente au quotidien, l'état appelé éveillé à ce niveau-là. Puis l'état de rêve, lorsqu'on dort et qu'on rêve. Et ensuite, l'état sans rêve, dont vous faites mention. Puis l'état de conscience pure, en quelque sorte. Un état d'éveil qui simplement témoigne de ce qui est. Et puis comme cinquième état, mais qui n'est pas un état parce qu'il n'est pas déterminé par la présence ou l'absence d'objet. Donc le cinquième état, qui est en fait le non-état, est l'état naturel de la conscience. Souvent, le quatrième état et le cinquième état sont confondus. Parce que lorsqu'on parle de la conscience éveillée, on parle de notre capacité à prendre conscience de ce qui est comme c'est. Donc, par exemple, se rendre compte que nous puissions accorder notre attention aux pensées. Comme quoi les pensées prennent place dans un état d'attention. Sans quoi il n'y aurait pas de pensée. Et comme quoi l'état de conscience éveillé demeure la fondation du processus de pensée, sans quoi nous ne pourrions jamais prendre conscience des pensées. Donc ici, on fait référence en fait au quatrième état. Celui qui est présent, celui qui est conscient des pensées. Mais en réalité, même celui qui prend conscience des pensées, on en est aussi conscient. Autrement dit, la conscience se tient aussi derrière l'éveil qui nous permet d'être conscient des pensées. Donc, la conscience comme telle inclut tout objet de perception. De même que l'absence d'objet de perception, de même que sous-entend la présence de cette capacité d'être présent, d'être éveillé à ce qui puisse se passer ou pas, comme tel. Donc, cette conscience, sincèrement, est notre état véritable.
cet état cinquième, qui n'est pas un état, qui est simplement ce qui est. Dans le bouddhisme, on réfère à ce cinquième état comme étant Suriya Citta. Dans les enseignements de Ramana, souvent le quatrième état et le cinquième état sont confondus. Suriya étant le quatrième état et le cinquième état étant Suriya Citta. Juste pour clarifier un peu plus, c'est quoi la conscience comme telle en vérité? Comme quoi la conscience comme telle en vérité inclut toute chose, est consciente de toute chose, de même que consciente que toute chose est en fait non simplement vide, mais aussi elle-même. Cet infini dont on parle. Cet infini qui constitue le cœur même de soi-même, le cœur même du monde, en fait étant la réalité du monde. La réalité sur laquelle prend place ce jeu de formes qu'on appelle le monde, qu'on appelle soi-même, qu'on appelle notre esprit, nos pensées, nos émotions, notre corps. Souvent, dans les enseignements de Ramana, il est suggéré d'intégrer l'état de sommeil sans rêve dans le quotidien, de façon à être capable de tenir en éveil cette conscience, de rester en contact avec la réalité de la conscience à travers les différents états. Et lorsqu'on est capable de, en quelque sorte, intégrer la conscience dans le quotidien, dans l'état communément appelé éveillé, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'arriver à un stade où nous devenons l'incarnation de la conscience au niveau du monde perceptible, au niveau de la matière. Sans quoi ce processus d'intégration parfaite de la conscience n'a pas encore pris place. Donc, il est possible, par exemple, de bien comprendre des choses sur la conscience et d'avoir des expériences de la conscience sans nécessairement le vivre de façon quotidienne, sans nécessairement l'avoir parfaitement intégré dans le quotidien, à travers tous ces événements qui se présentent à nous quotidiennement, comme avec nos relations avec les gens autour de nous, la façon qu'on réagit face à des événements imprévus, parce que les choses ne vont pas nécessairement aussi bien qu'on l'espère, et ainsi de suite. Donc ici, différencier ces états peut nous aider à nous enligner en quelque sorte dans notre vie ou à savoir où est-ce qu'on se tient dans notre processus d'intégration de la conscience comme tel, sans en faire évidemment une pratique rigide. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on en vient à croire qu'on est une identité séparée de la conscience. Comme quoi cette identité auquel on en vient à s'identifier sans s'en rendre compte se rapproche de plus en plus de la conscience quand ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, en quelque sorte, à travers la pratique, si on veut, ou le temps même, on permet à la conscience de venir à l'avant-plan de plus en plus. Comme quoi, le processus d'intégration de la conscience est quelque chose de naturel qui prend place par lui-même, avec la pratique. C'est-à-dire en se rendant compte de la position dans laquelle on est en esprit d'un moment à l'autre.
de façon justement à pourfendre l'illusion de la séparation, de façon à laisser aller cette idée qu'on est ce moi, un moi divisé de la conscience, lorsque ce n'est pas le cas, lorsque ce n'a jamais été le cas, lorsque ce ne sera jamais le cas. J'ai eu personnellement une... Alors, je ne dis pas que c'est une expérience, parce que je pense que j'ai atteint le... ce que tu perçois, enfin ce que tu me racontes, mais ça n'a duré qu'une journée malheureusement, et je pense que j'ai eu un vécu du soi, et comment dire, là j'ai bien vu que j'étais en arrière-plan, que mon personnage se sentait observé comme un animal de compagnie, c'est assez bluffant, et que le monde surgit comme ça, et qu'il n'y a que ce qui est. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui est arrivé comme une gifle dans la figure, c'est « il n'y a que ce qui est ». C'est un mot qui revenait sans cesse toute la journée. Il n'y a que ce qui est, il n'y a que ce qui est. Comme si tout se crée instantanément, là, devant moi. Alors, donc, ça rejoint tout ce qui est dit par les maîtres. L'esprit projette le monde, en quelque sorte, devant soi. Et on est là... Alors, la conscience est en arrière-plan. Le personnage, lui, ben, c'est lui qui nous permet d'évoluer dans ce monde fantasmagorique dans lequel en réalité. C'est lui qui a les cinq sens et c'est lui qui nous permet, nous, la conscience, d'appréhender ce monde. Et c'est une expérience extraordinaire. Et malheureusement, la nuit est arrivée et le lendemain, j'ai vu, c'était terminé. Quoique les jours qui ont suivi, je voyais mon corps se mouvoir tout seul. En fait, je ne suis pas à l'origine des mouvements de mon corps. Le corps se meut, suivant le contexte dans lequel il se trouve, je pense. Tu pourras peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Et voilà, c'est une expérience extraordinaire que je souhaite à tout le monde. En tout cas, je sais très bien de quoi tu parles. Et... Alors, juste une question aussi. Normalement, enfin, normalement, il n'y a pas de normalement là-dedans. Je pense que certains pensent, enfin, certains sages, on va dire, nous disent que lorsqu'on est éveillé, réalisé, c'est toute la journée, c'est 24 heures sur 24, même la nuit. Alors, je voudrais savoir si toi aussi, tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que la nuit, le corps dort, c'est donc le sommeil profond. Est-ce que toi aussi, tu peux nous en parler, qu'est-ce qui se passe quand ton corps est dans le sommeil profond? Qu'est-ce qui se passe pour toi qui as la conscience? En fait, c'est très nuancé, ces choses. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ceux-là qui témoignent de ce qui est demeurent 24 heures sur 24 pour tout le monde. La seule différence qui se présente en termes d'être stabilisé là-dedans ou non, c'est à savoir si cette conscience est permise à prendre l'avant-plan d'une façon permanente ou non. Donc, autrement dit, c'est une question de cheminement intérieur dans le sens de se dévouer à cette cause, à savoir si nous demeurons dans la conscience à travers le quotidien. Donc, en fait, ce qui crée ce manque de présence dans notre vie quotidienne, en rapport avec comment nous nous investissons dans la pratique comme telle, à savoir si on est la conscience ou pas d'un moment à l'autre. Et aussi des habitudes qu'on a pu créer comme tendance latente. Des tendances latentes qui finalement définissent le sens du jeu.
Donc, aussi longtemps que ces tendances latentes ne seront pas amenées dans les veilles de la conscience comme telles, elles vont faire surface et vont aspirer le sens véritable du jeu à un niveau grossier, à un niveau égoïque. C'est pourquoi l'expérience du soi comme telle ne demeure pas. Notre expérience réelle, quotidienne et permanente. Donc, lorsque l'expérience du soi vient et va, c'est qu'il y a encore du travail à faire. Lorsque nous nous retrouvons identifiés à notre esprit, à notre corps, ce n'est pas une malchance. Il ne faut pas voir ça comme étant négatif, comme quoi l'expérience du soi a été une chance qui nous est apparue et qui est disparue malheureusement. Non, ça veut dire que lorsqu'on revient dans le sens du jeu, il faut travailler. En d'autres mots, revenir dans le sens du jeu est une occasion de se rapprocher de la conscience. C'est pour ça que, justement, nous en sommes venus à prendre ce moi comme étant soi-même, pour nous obliger indirectement à nous rapprocher du soi. Et tant que le soi ne sera pas notre expérience permanente, on va être ramené à l'illusion du moi égoïque et à subir les conséquences de cette identification en tant que douleur, finalement, en tant que souffrance. C'est en soi l'origine de la souffrance, être identifié, prisonnier du moi séparé. Donc, tant que l'expérience du soi comme telle n'est pas permanente, il faut travailler sur soi-même, dans le sens de simplement être présent et de voir que nous ne sommes pas ce moi séparé. De voir que toutes les difficultés, les problématiques au niveau du moi séparé ne sont que des projections venant de cette idée que nous sommes séparés du soi, comme moi égoïque. Donc, pour en revenir à votre question sur ma propre expérience, c'est comme si tout se passe spontanément, d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait un monde perceptible ou pas, quelque chose se tient debout, comme un rocher au milieu d'un océan, inébranlable, inaffecté par ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe plus rien. Au contraire, la vie dans sa totalité est expérimentée aussi. En fait, c'est totalement le contraire de ce qu'on peut penser, dans le sens que réaliser le soi n'est pas devenir comme le vide. Oui, on devient le vide, mais aussi parce qu'on devient le vide comme tel, nous devenons aussi toute chose, puisque toute chose prend place dans le vide. Donc, on peut faire une référence avec l'état de veille quotidien et l'état de rêve et l'état d'absence de rêve dans le sommeil profond avec la conscience pure qui
elle-même ne fait que témoigner. Évidemment, l'État qui n'est pas un État, qui est la conscience comme telle, qui embrasse toutes choses, n'est rien de toutes ces choses et se tient au-delà. Donc, à partir de la conscience, il ne reste que la conscience. Tout arrive comme ça doit se passer. Rien n'arrive si rien ne doit arriver. Et tout est parfait comme c'est. Même s'il y a des problèmes quelconques, à quelques niveaux, la conscience demeure l'écran sur lequel ce jeu de lumière va et vient. Qu'il y ait un jeu de lumière ou pas. En fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème en réalité. Celui qui crée le problème, c'est le personnage en fait. C'est lui qui s'oppose à ce qui est. Donc, c'est parce qu'il s'oppose à ce qui est qu'il y a un problème. Et en réalité, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on le sommeil sans rêve, on le cherche. Parce que dans le sommeil profond, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de jeu qui est là pour créer des problèmes. C'est parce que quand on se réveille, la première chose qui émerge, en fait, c'est jeu. C'est la première pensée qui émerge, en fait. Jeu. Donc, comme jeu arrive, ben, les problèmes peuvent arriver aussi, en fait. Pas systématiquement, mais je veux dire, voilà. Le jeu est le problème. C'est vraiment très simple. Oui, enfin, ça demande du boulot, quand même. C'est simple, mais c'est pas évident, hein, parce qu'il faut bloquer ses pensées, en fait. Hein. C'est quand le mental s'est tu que la vérité apparaît. Mais pour taire le mental, c'est du boulot, hein. Oui, c'est une question d'attention. Oui, bah oui, c'est fondamental, l'attention. Oui. Moi, ce qui m'a aidé, en fait, quelque part, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'exercices qui aident, en fait, à se stabiliser, la méditation, etc. Il y a pas mal d'exercices comme ça. Moi, je fais une profession qui m'oblige, en fait, à être tout le temps actif. Enfin, tout le temps pas actif. Et à tout le temps être attentionné. Je suis renseignant de la conduite. Donc, tant que j'exerce, je suis obligé de faire attention à ce que va faire mon élève, à ce qui va se passer sur la route, et toutes les choses qui vont se passer. Je suis tout le temps H24, en fait. Et ça, bon, je ne vais pas te dire de devenir enseignant de la conduite pour réaliser ça. Mais c'est, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Et c'est, comme disait Destin, en fait, c'est la pratique, en fait. On aura beau lire 36 000 livres, les livres ne vont pas nous aider, en fait, à ça. Il faut absolument, à un moment donné, et moi, c'est ce que je faisais beaucoup au début, j'ai beaucoup lu, j'ai absorbé pas mal d'informations et je me suis rendu compte encore une fois qu'en absorbant les informations, c'était plus un frein, plus qu'autre chose en fait, parce que tout ce que j'emmagasinais, en fait, ça me faisait poser beaucoup de questions. Et quand tu pratiques, justement, il n'y a plus ces questions en fait, parce que c'est que d'observation en fait. C'est là que le mental se calme, quand tu observes et quand tu ne te poses plus de questions. Et à un moment donné, il n'y a plus de questions. Les livres, notamment le soi là, que tu as fait, Destin, là, c'est de la dynamite, une pépite, hein, moi, je dirais, parce que ça va droit au but et c'est clair, c'est très très clair. Hein. J'aime bien l'apprécier. Oui, je vais parler de ton livre parce que la lecture est obligatoire, enfin, la lecture est nécessaire, surtout pour ceux qui démarrent, parce qu'il faut comprendre exactement le monde dans lequel on est. Il faut lire et intégrer tous les nouveaux concepts. C'est presque ça, parce que en fait, ce monde est une illusion et avant de l'admettre, il faut quand même s'envoyer quelques tartines de quelques épaisseurs de livres. Avant de comprendre et d'accepter et d'avoir la foi en fait aussi, hein, parce que on va pas là-dedans sur un coup de tête. C'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, c'est une recherche profonde et c'est un besoin vital, pour moi en tout cas, c'est un besoin vital de trouver la vérité.
Et donc, ton livre, comme je disais tout à l'heure, il est parmi les meilleurs que j'ai pu lire jusqu'à présent parce qu'il nous invite directement à aller droit au but. C'est simple. Et avant de mettre en pratique l'attention permanente, 24 sur 24, peut-être pas 24 sur 24 parce que je dors quand même, mais le reste de la journée, il faut avoir bien compris ce pourquoi on fait tous ces efforts-là. Donc, oui, la compréhension est avant tout nécessaire avant la pratique, je pense. Enfin, j'ai eu des expériences avant de n'avoir rien ni compris, hein. Je ne m'intéressais pas à ça déjà tout jeune et j'ai eu quelques éveils, quelques samadhis instantanés, on va dire, mais je ne savais pas où j'étais, quoi. Je n'ai jamais fait le rapprochement avant d'avoir commencé à bosser le sujet, en fait. Voilà. Ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, effectivement, il faut être honnête avec soi-même dans le sens que lorsqu'on s'aperçoit que on peut s'être bousculé ou contrôlé par la pensée à travers le quotidien, bien, ça nous fait réaliser que il y a quelque chose qui doit être vécu, intégré. Tout ce truc dont on parle à propos du soi, ça ne peut pas juste demeurer au niveau mental, au niveau des concepts. Il faut que ça devienne quelque chose de naturel en soi-même, de vivre à partir du soi, à travers le quotidien. En fait, aussi longtemps qu'il y aura un mental, il y aura possibilité de laisser le mental prendre possession de ton attention. C'est là où on voit, en fait, compte, où on peut juger de où est-ce qu'on est dans notre, non simplement évolution spirituelle, mais intégration de ce qu'on croit comprendre de la conscience ou du soi. Donc, il est important de rester fidèle à l'endroit où on est vraiment dans notre processus d'intégration. Et oui, évidemment, quelquefois l'esprit est calme, comme un lac. On demeure simplement présent par le feu même. Et d'autres fois, la surface du lac est agitée, ce qui demande un peu plus d'attention. Mais même lorsque les circonstances font qu'on a besoin de plus d'attention, ça nous aide à fortifier ou à parfaire l'intégration de notre réalisation de soi. En fait, tant que ça ne devient pas parfaitement naturel de rester dans soi, d'avoir parfaitement réalisé qu'il n'y a que le soi, il y aura des occasions où on doit porter attention comme pratique. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une pratique dans le sens qu'on veut arriver quelque part. C'est plus une pratique dans le sens de vivre ce qu'on est, simplement. Effectivement, c'est comme si avec le soi, on tombe amoureux. Donc, que ce soit au niveau des pratiques, que ce soit au niveau des lectures, c'est comme si c'est par amour du soi. Comme quoi cet amour grandit toujours, toujours, toujours. C'est la beauté aussi de cette réalisation. Alors, il y a un point que je voudrais aborder avec toi aussi, c'est, comment dire, Olivier, il nous a envoyé un petit gif sur Facebook, là, et le chien se mord la queue. Il dit, le chercheur spirituel se mord la queue en permanence à chercher, en réalité. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. On est déjà le soi, donc on cherche quelque chose qu'on est déjà, ce qui est stupide, je suis d'accord. Il faut quand même, alors ce n'est pas une recherche, on va dire que c'est des efforts d'attention. Il faut les faire, ces efforts, sinon, on reste complètement en dehors de l'expérience en réalité. On est toujours
comment dire, identifié au personnage. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sten? Ça revient à dire qu'il faut être honnête avec soi-même, dans le sens que si l'expérience du soi n'est pas continue comme telle et que notre expérience de tous les jours n'est pas consistante avec la réalisation du soi, ça veut dire qu'il y a du travail à faire sur soi-même, dans le sens de ramener notre attention toujours sur ce qui est. On ne peut pas juste simplement dire que tout ce qui est le soi, tout en vivant une vie qui est en opposition avec cette réalisation. De même qu'on peut se cacher derrière les concepts de la non-existence du moi pour cacher notre moi, pour éviter d'admettre qu'on n'est pas tout à fait un avec le soi. Donc, en ce sens, il faut rester honnête avec notre expérience, de façon à ce que notre expérience de tous les jours soit consistante avec la réalisation du soi et de faire le travail en conséquence. Parce que c'est dans l'honnêteté, l'humilité, la capacité de voir ce qui est comme c'est, qu'on soit pris dans le moi ou pas, qui nous rapproche du soi. Parce qu'au niveau du moi, les stratégies pour se préserver, même à travers la réalisation du soi, prend aussi place. Ça fait comme partie du cheminement de devenir un avec le soi. Tant que l'idée du moi séparé prendra place, aussi longtemps ce même moi séparé va utiliser des stratégies pour se cacher, pour éviter de se regarder. Donc, des concepts de non-dualité, dans ce cas, deviennent de bons moyens pour continuer à se cacher. Autrement dit, pour continuer à se maintenir en tant qu'identité séparée, même au nom du soi. C'est un peu comme le phénomène des fondamentalistes dans quelles que soient les religions, où est-ce qu'on utilise la religion ou les enseignements spirituels pour éviter de se regarder, pour éviter de voir que finalement, on n'est pas du tout là. Qu'en fait, on parle de la religion ou des enseignements spirituels ou même du soi pour préserver notre identité séparée. Même que la poursuite du soi peut être en soi cela qui nous empêche de réaliser le soi. Donc, le mental, en fait, devient très subtil dans sa façon de récupérer les enseignements spirituels pour se préserver. Mais c'est aussi quelque chose qui fait partie dans le cheminement spirituel. C'est comme si, d'une certaine façon, il faut parcourir tous les mécanismes subtils du moi de façon à le dépasser, de façon à réaliser que le moi comme tel ne fonctionne pas. En fin de compte, nous en venons à expérimenter le moi séparé pour qu'on devienne un être éveillé, éveillé à notre identité véritable qui est le soi. Donc, le moi est le matériel, le bois qu'on continue à jeter dans le feu pour maintenir le feu, en quelque sorte, jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire. C'est à ce moment-là qu'il est possible de
d'en venir à intégrer notre réalisation du soi. En fait, c'est le soi qui, en passant à travers notre esprit, donne une illusion d'un moi séparé, attaché au mental et au corps. Mais en essence, demeure lui-même, le soi. C'est pour ça que dans l'enquête du soi, on ramène l'attention sur le je, notre je séparé comme tel, dans le moment. Et cette attention tournée à l'intérieur du je révèle ce je comme étant le soi, à la source ou en essence, en permanence. Le mental ici remplace comme un filtre qui se place entre la lumière et l'écran. Sans la lumière, il n'y a rien sur l'écran. Et sans le filtre, il n'y a pas de jeu de couleurs, donc pas de moi séparé. Donc, en tournant l'attention intérieure de ce « je » que l'on croit être, ce même « je » révèle qu'il est le soi, qu'il a toujours été le soi, qu'il n'y a jamais eu que le soi. Le soi comme tel n'est pas en dualité avec le « je », n'est pas en... c'est ça. N'a pas un problème avec le « je » ou le monde, puisque il n'y a que le soi. Au cœur de toute expression, c'est le soi qui se regarde sur cet écran à travers différents visages, différentes expressions de lui-même. Ben, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton livre, c'est la page 103, j'avais marqué. Tu dis à un moment donné, en fait, dans le livre, l'esprit doit passer à travers l'expérience de l'irréalité de sa propre existence phénoménale. Alors, ce qui subsiste est l'absence de toute pensée, même celle du soi. C'est bien dit. Ah ben, c'est toi qui l'as dit, c'est moi. Et là, on parle dans ce cas d'absolu, de l'absolu. Même la pensée qu'il y a un soi est une limite, puisque c'est une pensée qui émerge du mental. Et lorsqu'on est pris dans le mental, c'est à ce moment-là qu'on a ces pensées-là, de façon à nous diriger, en quelque sorte, ou nous pointer vers quelque chose d'autre que le mental, comme on utilise la pensée en ce moment, comme moyen de pointer vers le soi. Parce que même dire qu'il n'y a que le soi peut aussi juste être une pensée dans laquelle on se piège. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner, dis-moi? Rester dans le soi, quoi qu'il se passe. Jamais trop accorder d'importance dans ce qui se passe au niveau du monde, au niveau perceptible, au niveau des émotions, des pensées, sans nier quoi que ce soit. Il ne faut pas nier quoi que ce soit. Il faut permettre à quoi que ce soit de prendre place comme c'est, mais dans le champ de la conscience, en restant ferme dans l'assise du soi. Lorsque vous en venez à vivre de plus grande intensité au niveau des émotions ou des pensées, ou que
la situation extérieure devienne plus difficile, ben, ramenez l'attention dans votre sens d'être, dans l'être, dans le soi. Et permettre au soi de vous éclairer sur la situation. Et de voir qu'il est possible de naviguer à travers le jeu des formes sans être affecté par le jeu de ces formes. Et lorsque vous retournez dans le soi, à l'intérieur de vous-même, posez-vous la question si à l'intérieur de ce soi, il y a quelques problèmes que ce soit. Nécessairement, vous trouverez que dans le soi, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il puisse se passer à l'extérieur. C'est comme ça qu'on conserve notre paix. C'est comme ça qu'on permet à la paix inhérente au soi de prendre le dessus sur notre personne, sur la façon qu'on pense, sur ce qu'on ressent. Donc, plus nous pouvons demeurer dans le soi, plus nous pouvons rester un avec notre être comme il est, plus nous avons la capacité de contrôler nos pensées, contrôler nos émotions, contrôler notre corps. De permettre au soi d'infuser ses qualités supérieures, d'être infusé dans notre expérience physique, émotionnelle et mentale. Comme le soleil qui brille et qui fait pousser les plantes, en fait, parce que le soi n'a pas de main, n'a pas de pied, donc la seule chose qu'il puisse faire, c'est rayonner sa lumière vers le personnage. Pour que... C'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est ça? Oui. Le soi est le soleil. Le soi donne vie. Le soi permet l'expansion. Donne naissance à la création. Dans son infini, le soi est la création. Le soi est la vérité. La paix, la libération, la plénitude. Le bonheur, l'amour. C'est la conscience de soi qui nous unit, qui nous garde unis, qui fait que nous arrivons à nous comprendre les uns avec les autres. C'est ce qui nous attire les uns vers les autres. C'est le terrain fondamental, essentiel, qui nous garde tous et toutes ensemble. Donc, en restant dans le soi, nous restons unis. Dans l'amour le plus pur, incommensurable. Absolu. Mais est-ce que se rester dans le soi est accessible? Est-ce que c'est évident pour quelqu'un de suivre ce conseil, de rester dans le soi, de demeurer dans le soi? Qu'est-ce que c'est que ce geste? En quoi il consiste? Je demande parce que maintenant, ça m'est arrivé tellement souvent d'aller en satsang, de recevoir un conseil, et je suis heureux d'en recevoir un, et de me dire à la sortie du satsang, « Ah, mais en fait, ce qu'on m'a conseillé, je ne sais pas le pratiquer. » C'est quoi rester dans le soi? Comme si c'était... Je ne sais pas si la raison est bonne, mais je ne sais pas ce qu'est le soi. Ça ne va pas être simple de rester dans le soi. Si je vous pose la question, est-ce que vous savez
que vous êtes. Oui. Oui. Cela est le soi. La pensée ne sert plus à rien. Autrement, peut-être, de se poser la question à savoir, est-ce que je suis? Au moment où on se pose la question, est-ce que je suis? Effectivement, on le réalise, on sait qu'on est. Donc, en demeurant en cela, dans le sens d'être, dans ce « je suis », le soi est trouvé. Le soi demeure la permanence dans notre expérience quotidienne, quoi qu'il puisse se passer à la surface. Donc, savoir que l'on est, de demeurer dans ce simple sens d'être est la réalisation, l'application du soi. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, c'est ce qui est le plus simple. Et si je peux insister, d'abord merci, et d'autre part, comment accepter une chose pareille? Je ne sais pas quelle partie de moi, mettons le mental, ce que je suis habituellement, mes pensées, mon jugement, refuse une chose pareille. C'est-à-dire, ce n'est pas intéressant. J'espérais quelque chose de plus brillant, quelque chose d'autre. Celle-là est la pensée. Oui. Ce n'est pas ton sens d'être qui parle ainsi. Oui, mais comment dire, alors là, et ça je le sais par expérience, comment arrêter cette pensée, comment arrêter ce jugement? Maintenant, je le sais vraiment par expérience. Si la proposition de rester dans le calme ou ce que je suis se présente, il y a immédiatement quelque chose qui se lève à l'intérieur et qui est de l'ordre d'une pensée qui dit « mais non, je ne veux pas ça ». Et c'est… comment dire, c'est pas juste un caprice dont je vous parle. Là. C'est un machin archi-automatique qui revient à tous les voyages. Oui, oui. C'est d'y porter attention. Au moment où tu t'en rends compte, que tu vois que ce n'est que la pensée et non quelque chose qui provient de ton sens d'être, au moment où tu le voir comme tel, il met fin. C'est vrai. Rien d'autre. Le voir, il met fin et ça revient immédiatement après. Et le revoir, il remet fin et ping-pong. Tu continues à y porter attention, à simplement regarder. Et ne pas combattre avec ce qui se présente, parce que combattre avec ce qui se présente, c'est de donner le pouvoir à la pensée. C'est de donner le pouvoir à cette même tendance. Donc, même si ça se présente, ça va se présenter, on y porte attention. On y porte attention, on voit que ce n'est que la pensée. Et par le fait même, le voir est la fin de cette pensée. En se tenant dans la capacité de voir, c'est ce qui directement apaise le mental. Donc, si la pensée continue à refaire surface, c'est l'acte même de voir ce qui est, de voir la pensée comme la pensée qu'elle est, que on se calme, que la pensée aussi se calme,
par le fait même. Lorsque, évidemment, on se dit, voilà encore la pensée qui me tiraille. Ça, c'est une autre pensée. C'est le tiraillement de la pensée qui s'exprime de cette façon-là. Donc, on y porte attention. Autant qu'on y porte attention, on trouve un contrôle sur la pensée. On peut se servir de la pensée comme un déclencheur de l'attention. Oui, oui. En fait, c'est son but. En fait, c'est le but de ce phénomène du moi séparé, de nous ramener indirectement, incessamment, vers le soi. Tout à la fois pour le soi de faire expérience de lui-même à travers sa propre création. La multiplicité de l'expérience du soi dans le soi un. Comme avec la pensée, à chaque fois que la pensée surgit, et quand on en expérimente la possible confusion, à ce moment-là, c'est comme si on en vient à croire qu'on est ce moi séparé. Comme si ce moi séparé reprend naissance à chaque fois. Donc, donnant une réalité à cette expérience qu'on est ce moi séparé. Et lorsque on y porte attention à la pensée, et qu'on la reconnaît comme étant que la pensée, et en voyant qu'elle s'atténue par le fait même, eh bien évidemment, le sens du moi séparé aussi s'atténue. Ne reste que le soi, notre identité véritable. Donc, nous sommes toujours dans le soi. L'arrière-plan duquel on est capable d'être attentif à la pensée demeure le même, puisqu'on a toujours la capacité de porter attention à la pensée. Le fait qu'on puisse toujours porter attention à la pensée confirme que nous sommes le soi en permanence. Donc, au moment où on porte attention à la pensée, nous rétablissons en quelque sorte le pont avec le soi. Le voile qui nous donnait l'impression d'être séparé du soi, s'évapore, comme s'évapore la pensée, qui nous donnait l'impression d'être divisé du soi. Donc, le « je suis » est la clé. À tout moment, nous savons que nous sommes. Il n'y a rien de plus direct, immanent, que le soi. Quoi qu'il puisse se passer, toujours. Mais il faut, en quelque sorte, s'entraîner à regarder la pensée. Au contraire, de se laisser diriger par la pensée. C'est une tendance qu'on arrive à maîtriser avec la pratique. C'est pour ça que souvent des pratiques de méditation aident en ce sens. Comme prendre le temps de s'asseoir,
puis de simplement observer les pensées aller et venir, ou de reconnaître le « je suis » et de s'asseoir dans ce « je suis ». Prendre le temps pour faire ça, que ce soit dans la nature, que ce soit chez soi, quelque part de tranquille. C'est comme si ça complémente la disposition à porter attention à ce qui est et par le fait même à rester ancré dans le soi. Finalement, c'est un cadeau, la pensée, dans le sens que la pensée, qu'on le sache ou non, nous porte toujours indirectement au soi. Puisque au fait de l'illusion de la séparation, nous en venons à expérimenter cette division. Étant inexistant, apporte un sentiment inconfortable. Et par le fait même, puisqu'on est le soi, on ne peut pas demeurer dans ces états inconfortables. Donc, nous sommes comme obligés de retourner au soi. En fait, c'est l'amour au cœur même du soi qui nous ramène toujours. Le soi demeure un appel à retourner à l'intérieur de soi-même, au cœur de soi-même. Autrement dit, c'est le cœur qui guérit tous nos maux. C'est sûr que tant et aussi longtemps que les tendances latentes qui constituent et qui maintiennent le sens du moi séparé en place, tant qu'elles ne seront pas parfaitement brûlées, il va toujours y avoir des résurgences de ces tendances-là. Là où on se prend à être sous le contrôle de la pensée et des émotions. Mais plus on apporte attention à ses pensées, à ses émotions comme elles sont, plus nous coupons les racines même de ces tendances latentes jusqu'au moment où elles disparaissent. À ce moment-là, ça devient naturel et spontané de demeurer dans le soi, de demeurer soi-même, présent, un avec notre profond sens, je suis. Et en réalité, comme nous sommes le soi, en fait, le véritable amour, c'est le véritable amour qu'on a pour nous-mêmes en tant que le soi. Et tant qu'on ne lâchera pas l'amour du personnage, de l'attachement qu'on a pour ce personnage, on ne pourra pas rejoindre le soi. On ne peut pas aimer le jeu en tant que personnage et aimer le soi, puisqu'on n'est que le soi. Mais il ne faut pas entrer en conflit avec le moi. Bien sûr, mais c'est pour ça. C'est quand on arrive dans l'unicité, tout est accepté, en fait, tout est accueilli. Même les pensées, même l'ego, tout est accepté. Au début, on voit l'ego comme un problème, comme une barrière, et au final, ce n'est pas une barrière, parce que c'est lui qui nous fait évoluer aussi, en fait. C'est lui qui nous montre où on en est réellement, au stade où on en est, avec nous-mêmes en tant que jeu personnel. On pourrait dire que c'est un indicateur, en fait, l'ego, quelque part. C'est pas l'ennemi public en fait qu'il faut tout de suite abattre pour pouvoir réaliser le soi. Comme tu disais tout à l'heure, la pensée est un cadeau, mais c'est exactement ça en fait. Quand on regarde parfois, il y a dans des livres, il faut arrêter la pensée, il faut arrêter le mental, etc. Mais c'est tout ça qui nous fait avancer en fait quelque part. On est toujours au bon endroit, au bon moment en fait. Il n'y a pas d'erreur. Le simple fait d'observer la pensée suffit à la faire disparaître. En fait, les pensées, tu les trouves intéressantes? Alors, il y a des pensées qui ne sont pas du tout intéressantes et qui sont hors du contexte dans lequel on est.
Et d'ailleurs, des pensées intéressantes, parce que quand on est en train de bricoler, par exemple, il t'arrive une pensée juste à ce moment-là qu'il faut avoir, tu vois. Donc, il y a différentes pensées aussi qui arrivent. Donc, Ben ouais, mais quand tu t'arrêtes dessus, c'est que tu la trouves intéressante. oui, c'est ça. Il faut Tu pouvoir vois? faire le tri déjà quand elles arrivent, quoi. Ouais. Oui. Mais comme tu disais tout à l'heure, accepte la pensée comme une pensée, en fait. La pensée est une pensée. C'est comme Destin le disait tout à l'heure, en fait, quand la pensée est là pour te rappeler que tu es le soi. Qui c'est qui voit la pensée? C'est que le soi, en fait. Maintenant, est-ce que ce n'est pas l'image qu'on se fait du soi qui pourrait déjà être un problème? Non, mais tu vois, si on se fait une merde, parce qu'on en entend, hein, ouais, mais le soi, ça va être merveilleux, ça va être ceci, ça va être cela. Donc, on se fait un fantasme complet du soi. Comme c'est quelque chose de très, 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 très simple, c'est tellement simple que ça a complètement l'opposé du fantasme. Et quand on arrive là et puis que ça arrive, ben non, c'est pas intéressant, ça, ce que disait tout à l'heure Laurent. Et Laurent, pour satisfaire ton goût de l'extraordinaire, la découverte du soi, comme dit Destin, là au départ, ça semble anodin. C'est tellement simple que c'en est presque décevant. Mais sauf que c'est la porte ouverte à des expériences bien plus grandes qu'on est incapable de. Enfin, ce n'est pas des expériences, hein, comme dira Destin, puisque c'est notre état, mais. C'est une transformation complète de notre vision du monde, hein. C'est du monde et de notre. Oui, c'est ça. Bien sûr, l'absolu est plus qu'une découverte. Y a un approfondissement aussi qui continue. Les expériences comme telles deviennent tellement plus subtiles. Les capacités de voir, de sentir, de percevoir qui sont incomparable avec ce que le moi séparé peut vivre. En fait, c'est l'ouverture à la vie dans sa totalité, dans son infinité. Quelque chose que la pensée ne peut pas contenir, ne contiendra jamais. Je me permets d'intervenir. Il y a un livre qui s'appelle Après l'extase, la lessive. C'est un livre que j'ai commandé, je ne l'ai pas encore lu. Et ça me laisse penser que tout commence après l'éveil, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sûr. L'éveil est la naissance à la vie. Même au niveau du moi séparé, on peut se penser que la satisfaction, la paix, le bonheur que l'on cherche ne se situe qu'à ce niveau. C'est le contraire qui est vrai. C'est lorsque nous venons à réaliser que nous sommes en fait le soi, que la vie dans toute son immensité se révèle. La vie même de cette personne, on en vient à incarner. En fait, cette même personne qu'on incarne maintenant, infusée par l'immensité de la vie. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on dit que c'est au moment de l'éveil que la vie prend naissance, la vraie vie. La vraie vie dans toute son immensité, à l'infini.
Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire peur? Ça ne fait peur qu'au moi séparé. Ça ne fait peur qu'à l'esprit identifié à ses pensées, attaché à ses pensées, à l'idée de lui-même. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, s'ouvrir au soi signifie la fin de ce moi. Mais la fin de quoi? La fin que de penser, puisque le moi séparé comme tel ne se détermine qu'à travers ses pensées. Pas de pensée, pas de moi séparé. Donc, il n'y a rien à perdre. Rien à perdre de ce qui n'a jamais existé. Autrement qu'en pensée. L'illusion disparaît, l'univers disparaît. J'entends parler de ça. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire, presque inimaginable. Oui, mais c'est ça la beauté. Se réveiller sous un jour nouveau, la fraîcheur même de la vie, le renouveau, le miracle même. Libéré du connu.